Salut à tous. Alors pour la Saint-Valentin, j'ai décidé de vous montrer en vidéo comment réaliser un bisou en origami. Parce que c'est sympa d'offrir un bisou et ça fait plaisir d'en recevoir. Et moi je vous fais plein de bisous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc pour réaliser ce modèle, j'ai utilisé une feuille de 20 par 20. En fait j'ai pris tout bêtement un papier cadeau. Parce que l'avantage, c'est que c'est imprimé d'un côté et blanc de l'autre. Mais on peut aussi prendre une feuille de couleur et en coller une blanche de l'autre côté. Donc ça rigidifie un petit peu le papier. Ou alors, on peut prendre une feuille blanche et la peindre. Vous voyez, hop. Donc du coup, comme j'ai envie de faire un bisou rouge, eh bien je vais partir sur cette feuille. Donc tout d'abord, on va garder le côté rouge sur le haut et on va plier ce côté-ci sur celui-là. Comme ceci. Ensuite, alors là, on va essayer de plier en trois parties égales, comme ça. Comme ça et comme ça. Ok, donc alors pour le moment je vais pas marquer le pli pour être sûr de faire ça de façon égale. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, et quand je suis sûr de mes plis à ce moment là je plie ici. Ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la partie là et je vais la remonter ici. On va faire un triangle. Comme ceci. Voilà, il faut toujours bien marquer les plis, c'est important. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre cette partie-là et on va la baisser. Voilà. On a pris la partie-là et on l'a baissée. Et donc on va faire pareil ici. Maintenant, on va remonter ça. Là, on la remonte pour l'aligner en fait le long de ce pli, comme ceci, et là aussi. Ensuite, ici, on va ramener cette pointe ici, là. Ok, et on fait pareil ici. Voilà. Et maintenant qu'on a fait tous ces plis, eh bien, on va tout déplier. Voilà. Et voilà. Alors, et maintenant on va reformer les plis, mais dans un autre sens. Donc le petit pli du haut, on le plie vers soi. Voilà. Ce pli-là, comme ceci. On rouvre et on fait la même chose. Ici. Comme ceci. Et maintenant, si on prend les deux parties là et qu'on les met à plat, voilà, hop, 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 voilà ce qu'on obtient. On
Ok. Et donc maintenant, on refait la même chose ici. Donc déjà, la petite partie ici. C'est important que cette partie-là remonte. Hein. Voilà, comme ça. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on retourne et on va remonter. Voilà, celui-ci et celui-là, on va le descendre. Donc, en fait, on n'a qu'à suivre les plis qu'on a déjà fait. Hein. Maintenant, on va plier en deux. Ok, alors pour le plier en deux, ce qui est important, c'est d'ouvrir bien ces parties-là. Voilà. Mettez comme ça. On tire vers le haut, mais les plis-là, on les replie vers l'intérieur. Voilà, on fait comme ça. Et tout naturellement, en fait, ça va se plier en deux. Donc là, on marque bien les plis encore. Ok. Comme ça. Donc là, je vais soulever et là, il faut que je rabatte cette pointe jusque là, à peu près ici. En fait, je ferme cette partie-là. Ok. Et je fais pareil ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais replier en deux là jusqu'à la limite de la bouche. Et ici aussi. Et voilà. Un bisou. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si vous aimez, eh ben, n'oubliez pas de cliquer j'aime et de partager ma vidéo. Merci et à bientôt. Bisous.